sistema de armadurías o de texturas políticas, el estilo de la economía es campeón de la familia Casey Diamond, Casey, su coalición, on le voit à une finale de la JTW. J'avoue, j'ai vu bien des matchs que là, mais à soir, j'ai vu l'un des meilleurs matchs que j'ai vu en toi de la finaliste cette année. Premièrement, tes impressions sur le match. J'avais peur un peu. J'avais jamais été contre Cherry, mais je suis terriblement surpris. Le résultat de combat incroyable. La foule était là, les deux ont été exceptionnels. Stéphanie, que j'adore, c'est comme. Toujours une secondaire, Stéphanie. Un an, magnifique quand elle est. Elle est parfaite. Elle mérite aussi la saison. Je trouve que c'est vraiment un match exceptionnel. Pour moi, ça, c'est un des meilleurs matchs. Un des meilleurs. Première championne, pas bien sûr que tout le monde va se souvenir de la première championne. La ceinture, la halle que ton père, qu'est-ce que ça représente pour Casey Diamond? Tout. Ça représente, je vous dirais que ma vie est basée sur la lutte. Donc ma vie est basée sur la lutte. J'y pense à tous les jours. Je ne pense qu'à ce que je pense à mon personnage. Je pense à tout par rapport à Alex. Pour moi, c'est une. La personne qui pense à ça, c'est génial. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que ça représente tellement les filles, ça permet tellement de demander ce qu'on est capable de faire. Parce qu'aux hommes qui pensent qu'on est moins bon que d'autres, certaines personnes croient ça, mais moi je pense que c'est ça. Je pense même que c'est les filles qui sont meilleures que les hommes. Je trouve que c'est une opportunité incroyable qu'on a de démontrer. La LF, c'est vraiment super important. C'est la meilleure fédération de lutte. Puis je ne veux pas que ça finisse. On a vu à la fin de là, on a vu, tout le monde ici l'a vu, Vanessa Craven est sortie. C'est une fille qui est très grande, elle est très imposante. Elle est championne dans une autre fédération, mais cette fille-là, là, elle est vraiment, pour rien en faire personne d'autre, elle est vraiment incroyable. On a vu que ta réaction, tu as eu peur, et je te comprends, elle est très imposante. J'imagine qu'elle va s'arranger pour avoir un match de championnat à un moment donné. Est-ce que tu seras prête à l'affronter mentalement, physiquement? Tu vas lui donner sa chance à tout le monde? À 400 000. Non, j'ai pas peur. Pas peur, mais parce que ma ceinture, c'est moi qui vais gagner. Il y a personne d'autre qui va toucher à ça parce que ça, c'est mon. J'ai vu dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes filles. La halle, c'est une fédération de filles. Je pense qu'il faut qu'il fasse pas la nouvelle championne, la première championne. Penses-tu que la halle, voir des gens avec des talents comme toi, Stéphanie, toutes les filles qui sont là, ça va donner le goût aux jeunes filles de vouloir s'inscrire dans les différents types de lutte, comme la GCW, en RFLQ. Penses-tu que ça va donner le goût aux jeunes filles de voir des vrais athlètes comme nous autres dans la relève? Honnêtement, j'espère. Parce que la lutte, c'est un sport magnifique. C'est plus qu'un sport. C'est tout. C'est intensité. C'est physique. C'est charisme. C'est personnage. C'est théâtral. C'est tout. La lutte, c'est un sport qui est magnifique. Et j'espère que vous, que pour les filles, pour les enfants, pour les jeunes femmes qui nous regardent, j'espère que ça va nous donner du lait comme nous autres. De faire ce qu'on fait, de montrer aux hommes qu'on peut être comme eux autres, qu'on peut faire la même chose que eux autres, parce que c'est vraiment important de. On va pas se capable de faire. Je pense que. Non, on veut pas que les filles, que les petits bouts qui vont nous regarder vont dire un jour, moi je vais être comme elle, moi je vais être comme Casey, moi je vais être comme Stéphanie. Je le souhaite parce qu'on a besoin de relève. Ça fait du bien d'en avoir. C'est de la bonne relève. Casey Diamond, en terminant. Simplement, je te souhaite un long rêve. Je te souhaite que tu nous donnes des excellents matchs que tu nous as donné ce soir parce que la foule était vraiment dedans. On se voit au prochain gala. Oui. Je te souhaite encore de tout bravo. Merci beaucoup.